James, est-ce que t'es là? Hey, Cibolac! Lily, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai les appareils pour ça. Je sais que t'as besoin de beaucoup d'énergie, mais t'es capable. Ah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme j'avais promis hier, vu la température, ben confiné à la maison, alors on fait une deuxième partie. Le sujet, c'est l'asile de Sainte-Clotilde-Horton. Je sais qu'à cette heure-là, c'est pas le meilleur moment pour aller chercher le maximum de personnes, mais comme hier, il y en a qui vont le regarder quand ils vont avoir le temps. Je vais aussi les télécharger et les mettre sur YouTube, ceux qui veulent regarder celui d'hier et celui-là en totalité. Donc, il fait beau. Les rues sur notre boulevard, là, c'est inondé. Puis c'est pas prêt d'arrêter de mouiller, donc je sais pas pas ce qui va arriver là. Donc on va y aller tranquillement, on va attendre que les gens arrivent, réalisent que la pas paranormal est en direct. Dans le fond, pour ceux qui n'ont pas vu celui d'hier, le live d'hier. ceux qui nous suivent un peu ont remarqué que j'ai posté quelques vidéos de Sainte-Clotilde-Horton, dont la démolition de la bâtisse. Je pense qu'il n'y a plus rien là. Le propriétaire m'a envoyé quelques vidéos il y a 3 jours. Il y en avait plus que la moitié qui était par terre. Vu le nombre de views, on est rendu exactement, je vais vous dire ça là, il y a 150 700 personnes qui ont vu la vidéo que j'ai mis il y a même pas 72 heures là. Fait que j'ai l'impression que ça touche beaucoup de monde, comme je disais hier, les gens qui étaient passionnés de paranormal aimaient aller là, les explorateurs urbains. Il y avait aussi des games de paintball là, qui se donnaient là à l'occasion aussi. Le terrain était aménagé, puis les gens pouvaient rentrer à l'intérieur. Il y avait quand même beaucoup de vie, en parenthèse, là, encore à Sainte-Clotilde dans la bâtisse, puis autour. On continue de dire que c'est déplorable. C'est le maire de la ville qui a gagné, qui disait que la bâtisse était trop dangereuse pour accueillir des personnes. C'est vrai qu'au niveau du sol, pas à l'entrée principale, mais à l'arrière, quand on rentrait, on voyait qu'il y avait un mur qui était tombé au complet, puis les escaliers, ça faisait quand même peur, là. Mais il aurait pu y avoir juste un peu de rénovation, d'après moi, là, à quelques places. Puis la bâtisse a arrêté debout encore quelques années. Je trouve ça plate qu'après tant d'années qu'il n'y ait pas eu quelque chose qui a été fait pour sauvegarder au lieu d'attendre jusqu'à la dernière minute puis essayer de faire quelque chose. On a entendu que ça se détériore, puis mais c'est ça. Puis je pense pas qu'il y ait autre chose qui va être construit là. Je sais que sur le terrain, il y a une érablière. Il y a un ancien terrain de camping, il y a le bord de l'eau. C'est quand même un grand terrain. Si j'ai bien compris, il y a des investisseurs qui sont dans le projet avec M. Tivierge. Je n'ai pas demandé d'autres informations. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le paranormal, l'histoire du lieu. Sinon, je ne sais pas ce qui va arriver pour la suite. Je sais que quand les débris vont être retirés, je ne sais pas quand est-ce que ça va être fait, parce que probablement qu'il n'y aura pas d'autorisation qui va être donnée avant que ce soit enlevé à cause du danger de blessure, là. C'est certain que moi, j'aimerais ça essayer d'aller sur le terrain avec quelques appareils, parce que je suis persuadé que même si la bâtisse n'est plus là, on va être capable de capter des choses
encore. Et c'est déjà arrivé ailleurs et c'est pour ça que je suis confiant. Donc, ceux qui aiment le paranormal, je vous garantis au moins une dernière fois aller faire un tour quand ça va être possible. Persuadé que vous allez capter des trucs. Moi, la dernière fois que je suis allé, c'est cet été. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai fait un petit tour parce que je savais que ça s'en venait, là. Et il y a une question que j'ai posée. J'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Puis on entend un oui. On entend allô. C'est ce qu'on entend, allô. Puis cette vidéo-là, je l'ai publiée sur TikTok. C'est un petit peu plus bas, là. Une vingtaine de vidéos en arrière, peut-être, là. Donc, puis sur le terrain, on a capté une dizaine de bons PVE, des réponses directes. On a entendu à un certain moment donné un bruit qui venait de l'intérieur, mais ça, vu qu'on n'était pas à l'intérieur, ça pouvait être quelque chose qui est tombé parce que la bâtisse veut pas. Il y a des morceaux de peinture, il y a des bouts de briques qui tombent. Donc, ça aurait même pu être le bruit d'un qui venait de l'autre côté de la bâtisse, puis ça fait un effet d'écho, là. Donc, mais moi, je suis content parce que j'en ai profité au maximum. C'est pas tout le monde qui a eu autant de chance que nous autres d'aller à Sainte-Clotilde, faire des événements, faire des enquêtes, des tournages. Hier, je vous parlais. Ceux qui sont pas au courant, nous, ben, moi, j'ai travaillé 10 jours sur un plateau de tournage. Dans le fond, il y a un film qui a été fait sur une équipe d'enquêteurs en phénomènes paranormaux et cette équipe s'appelait APA Paranormal. Dans le fond, c'était nous, mais c'était joué par des acteurs, Isabelle Blais, Pierre-Luc Briand, Tommy Lavallée. Donc, j'ai aimé l'expérience d'être sur le plateau, là. Et donc, ben, c'est ça, c'est moi qui ai trouvé les lieux. Dans le fond, j'ai donné un très, très gros coup de main pour que ça fonctionne. C'est nos équipements qui ont été utilisés, notre expérience, nos expertises, notre façon de travailler. Eux autres, ils ont quelques petites choses qu'ils ont ajoutées à leur sauce. Mais ça représentait, je vous dirais, à pas à 15%, mettons là. J'ai même eu un petit rôle dans le film. J'étais un figurant dans le restaurant. Donc, c'était drôle. C'est une belle expérience. Je vais vous montrer justement la bande-annonce de ce film-là, qui est sorti d'ailleurs il y a un bout de temps, là. Je vous présente Daniel et Judith Town, ainsi que leur qui est sorti d'ailleurs il y a un bout de temps, morte. Il est sorti d'ailleurs vu un bout de temps. C'est quoi ça? J'ai trouvé la Ghost Box. Dans le fond, ça c'était la bande-annonce qui a passé quelques fois à télé, mais je dirais que ça a passé aux mauvaises heures. Publicité, ça avait été manqué. Je suis pas là pour faire de la mauvaise publicité, mais beaucoup, très, très décevant ce qui est arrivé par la suite. J'ai eu une belle expérience, comme j'ai dit. J'ai appris beaucoup avec les caméramans, les preneurs de son, les gens qui étaient là, qui avaient de l'expérience, comme par rapport à tourner des films. Sur le côté humain, sur le côté, on a été floué, si on veut, là, dans un sens, on s'était fait promettre des choses. On s'était fait promettre des choses, puis ben ça a pas été comme ce qu'on nous avait promis. Donc, j'ai présenté la bande-annonce de ce film-là parce que
50% du temps que j'ai passé, c'était à l'asile de Sainte-Clotilde d'Horton sur les plateaux de tournage. J'ai dormi là. J'ai dormi. J'ai passé une nuit à l'intérieur, dans une tente. Puis une nuit aussi à l'extérieur dans mon camion. Ouais, la Doréa, ça fait quand même quelques années. Là aussi, j'ai eu la chance d'aller faire trois ou quatre enquêtes. C'est parce que c'était compliqué. Des fois, on arrivait, puis il y avait quelqu'un qui était là, qui c'était pas le propriétaire. Je sais pas qu'est-ce qui collissait là, mais il y avait un 12. Fait que... puis on prenait la chance d'y aller de temps en temps, jusqu'à temps qu'on voyait que lui était pas là. Alors, j'ai peut-être une petite idée. Je pense qu'il y avait une pousse qui devait être là à l'intérieur, quelque part. Là. Donc, c'est pour ça qu'il mettait un garde à l'entrée. Sinon, j'ai jamais vu ça ailleurs. Là. Donc, Sainte-Clotilde d'Horton, aujourd'hui comme hier, c'est, dans le fond, mon live, ça va être comme hier, ça va être de parler de nos expériences, parce que c'est pas rien, c'était une belle place, ben, comme que je dis, pour les explorateurs urbains et ceux dans le domaine du paranormal, malgré l'histoire tragique. Puis je veux vous montrer, ça fait partie des archives des médias, parce qu'à l'époque, ça s'appelait pas l'asile, ça s'appelait le centre Norval. Donc, je vais vous montrer ça. Là. Décidément, le mauvais sort s'acharne sur le village de Sainte-Clotilde, près de Victoriaville. Ce matin, pendant qu'on y célébrait les funérailles des victimes de l'incendie survenu dimanche dernier au centre Norval, les pompiers étaient de nouveau appelés sur les lieux du sinistre. Gilles Payette explique. On ne s'attendait vraiment pas à ça, un deuxième incendie au centre d'accueil Norval. Déjà qu'en fin de semaine dernière, le feu faisait 9 victimes à cet endroit. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'entretoit qui brûlait. Heureusement, aucun bénéficiaire ne se trouvait sur les lieux. On les avait tous logés ailleurs à la suite de l'incendie de dimanche dernier. Une vingtaine de pompiers ont travaillé durant plusieurs heures avant de maîtriser les flammes. Et l'on s'interrogeait sur l'origine de ce sinistre. On s'imagine que c'est probablement un trouble électrique. On ne peut pas voir autre chose. De toute façon, il y avait des gardiens tout le tour de la maison. Fait que on ne peut pas voir autre chose que ça peut être un trouble électrique. Un coup difficile à prendre compte tenu des funérailles qui se déroulaient à quelques pas de là. C'est pas tellement intéressant. On aurait pu se passer de ça. Je vous jure que l'autre cérémonie était déjà terrible pour nous autres. Celle-là, en plus, là, c'est rien pour... C'est pas ça qui va nous remonter le moral. C'est que le hasard a voulu que ce matin, tout le village se soit rendu à l'église rendre un dernier hommage à 5 des 9 victimes de l'incendie de la semaine dernière. Il y avait, entre autres, parmi la foule, la ministre Thérèse Lavoirou, de même que des fonctionnaires de son ministère. Et toutes les conversations portaient sur ce qui se passait encore une fois au centre d'accueil. Donc, ça fait partie des archives. J'en ai d'autres. Il faudrait juste que je fouille. Éventuellement, j'ai tellement de... Comme je disais, j'ai des centaines d'heures en visionnage de Sainte-Clotilde d'Horton, des photos. Donc, peut-être la semaine prochaine, je vais continuer avec d'autres archives. Puis, est-ce que je vais trouver, il va falloir que je fouille, là. Ouais, et cette première place intéressante qu'il y a eu, qu'on s'est fait enlever, dans le fond, c'était le sanatorium du Lac-Édouard. Parce que le terrain complet a été acheté par des fermiers. Et eux, ben, on a entendu, nous, qu'ils s'installent. Ça fait 9 ou 10 ans, peut-être, là, que ça a été acheté. Et on avait rentré en contact avec eux. Et eux autres, même si on voulait payer les entrées, il n'était pas question qu'il y ait des inconnus qui aillent sur leur terrain. Mais là, ça... Je ne veux pas dénigrer Sainte-Clotilde parce que j'ai adoré, puis j'en parle, puis ça fait beaucoup de peine. Mais Sainte-Clotilde, ça n'a rien à voir avec le sanatorium du Lac-Édouard. L'histoire est tout aussi tragique. Il y a eu du monde connu qui sont allés là-bas, au sanatorium. La bâtisse en tant que telle, elle doit faire 2 ou 3 fois la grosseur de Saint-Cloud. Puis en plus de ça, ça ressemblait à un village abandonné, parce qu'il faut savoir qu'on arrivait sur un petit chemin, ceux qui n'ont jamais été là.
Il devait y avoir au moins 10 bâtisses abandonnées sur les lieux, des maisons. Il y en avait 3-4 qui étaient abandonnées. Il y avait même un véhicule qui était sur des blocs avec le hood ouvert. Il y avait encore des bicyclettes à pédales attachées sur des poteaux. On rentrait dans les maisons, les lits étaient faits. Il y avait encore du linge dans les meubles. La vaisselle était là. Il y avait une école. Ben, c'était plus pas une école, c'était une place de sœurs. Puis à un moment donné, il y a des caves qui ont mis le feu dedans, là. Il y avait une grosse grange, il y avait une place, c'était comme une espèce de boulangerie. Il y avait un incinérateur. On avait accès à l'incinérateur par l'extérieur, mais aussi par le sanatorium. Dans le sous-sol, il y avait un chemin qui nous amenait jusqu'à l'incinérateur. Il y avait un tunnel. Nous autres, on les appelait les catacombes, là. Puis quand on marchait dans les tunnels, avec les ghost box allumés, on entendait des help me, aidez-moi. On entendait toutes sortes d'affaires. C'était fréquent. Puis il n'était pas question de se déplacer seul là-bas. On se déplaçait toujours à coup de deux. Oui, ben. J'ai 300 ou 400 vidéos, là, au moins 300 sur YouTube. Puis c'est des vidéos complètes. Comparativement à TikTok, c'est juste des petites séquences que je mets. Fait que si tu veux voir les vidéos de Saint-Clotilde, j'en ai plusieurs qui sont là, mais ça va se retrouver plus bas. Puis merci de partager ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on se fait connaître. De plus en plus d'ailleurs. Donc, puis avant le sanatorium, il y en avait un autre. Je me souviens pas du nom. Il y avait la Doréa, oui. C'était quand même une petite place, plus petit que Saint-Clotilde. Mais il y en avait un autre que quand moi je m'étais décidé, il était déjà trop tard. Juste à taper à pas paranormal sur YouTube. Comme ça, sur YouTube. Je sais pas si je peux te mettre le lien. Attends un peu. Attends un peu, je vais. Plus froide de février. Ok. Les gars, je pense que. Merci du compliment. Ah, oh, je peux pas le mettre le lien. Mais juste taper à pas paranormal, tu vas le voir, là. C'est sûr, certain. Donc, hier, je parlais que. On a travaillé avec beaucoup de médias parce qu'il y a beaucoup de monde qui partageait nos trucs. Puis quand il y avait des. Je vous donne un exemple. On a fait une enquête dans le secteur de Laval. Éventuellement, ça, je vais vous le présenter aussi. Là, et ça avait suscité de l'intérêt incroyable. En une heure, il y avait 200 000 personnes qui l'avaient vu. Donc, le Journal de Montréal nous avait contactés. Et c'était la gang du sac de chips. Bon. Puis là, ben, au travail de ça, il y avait M. Page aussi qui disait qu'il était intéressé à aller voir parce que lui aurait été capable de démystifier, blablabla. Bla, bla. Sauf que c'est nous qui s'est rendu là en premier et on a eu l'exclusivité de la place. Et avec le sac de chips, ça a été on a eu du fun. Mais ça n'a rien à voir avec, si je compare, mettons, avec l'agence QMI. J'en ai parlé hier. Aujourd'hui, je vais vous montrer. QMI, c'est très, très sérieux. Salut Lou! Et le sac de chips, ben, eux autres, c'est le côté où ils vont avoir beaucoup de visionnement par les jeunes. Parce qu'au travers de l'entrevue, ben, ils vont déconner un peu, mais on a quand même eu beaucoup de fun. Donc, je vais quand même vous montrer, c'est en rapport à Saint-Clotilde, tout ce que je vais montrer, c'est en rapport. Je vais vous montrer le petit documentaire qui a été fait par le sac de chips. Il faut savoir qu'avec eux, on a fait 7 émissions, si je me trompe pas. Rivière-la-Guerre, le Vieux Palais de Justice, Saint-Clotilde, l'enquête de Laval. Il y en a eu une couple. Puis je vous reviens après, là, je vous présente celui-là de Saint-Cloud avec le sac de chips. On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Est-ce que tu peux cogner deux fois? Allô? Les lieux les plus hantés du Québec. Est-ce que tu peux cogner deux fois? Une présentation de Renaissance. Votre destination Halloween.
sont les deux cobayes du sac de chips dépêchés aujourd'hui sur les lieux pour investiguer. Ils sont accompagnés de Mélanie, membre de l'organisation à but non lucratif APA Paranormal. Oh, hey, ça, c'est comme une grosse caisse populaire. Bon, excusez-moi, c'est écrit 666 à l'entrée. Oh! This or die. Non, this or die. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voyons! Voici l'asile Saint-Clotilde. Oh. On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Il a fait tomber dans un lit. Il s'est probablement brûlé ce que l'histoire raconte. Il a échappé, le feu a parti. Il y a également un suicide par pendaison dans les sous-sols. On a le nom de James et c'est un patient qui venait du sanatorium du Lac-Édouard. Donc, un cas très lourd. Il est arrivé ici et il s'est suicidé. Donc, c'est un peu l'historique dramatique de ce qui s'est produit ici. Là. Les planchers, c'est comme une partie d'une école primaire. Non, regarde, on peut encore voir les frères de l'instruction chrétienne. Tout est là. Dans une de nos premières enquêtes, on est arrivé là-bas et on a installé de l'équipement. Moi, mon but, c'était essayer de capter des phénomènes de voie électronique, des PVE. Donc, on pose une série de questions et on a capté des voix d'enfants. On a utilisé beaucoup des cartoons sur ordinateur, faire jouer Walt Disney, des choses comme ça. Beaucoup de réactions sur les appareils, fait qu'on a joué beaucoup la carte de faire plaisir aux enfants pour essayer de leur permettre d'avoir envie de venir communiquer avec nous autres. Déjà, t'as-tu? Yeah. Ben. Vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimez ça, Mickey Mouse? Ça vous rappelle seulement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette? J'ai entendu oui. Oui, puis avec une voix de petit garçon. Par la suite, on a fait des recherches, puis on a su qu'il y avait des enfants qui étaient là à l'époque. Mais ça nous a vraiment pris par surprise. Puis tu sais, quand on entend des trucs qu'on pense avoir entendu, mais tu sais que c'est tellement clair, on va... Non, mais c'est pas normal que ça sorte comme ça tout seul, là. Donc, on est dans la salle de bain où James s'est pendu. Oh! Oui. Apparemment, qu'il serait pendu sur les tuyaux au bout là-bas. Donc, c'est ici qu'on a réussi à avoir les réponses. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Cibolac. Bye, James. Bye, James. C'est tellement étouffant, là. Moi, j'ai l'impression que ma pression a baissé en rentrant ici, en tout cas. Allô? Ah, franchement. Il y a quelqu'un qui a écrit « Je reviendrai » en rouge puis qui a fait deux traces de main. J'aime pas ça. Y a-tu quelqu'un qui est resté ici dans la salle de bain?
Il y a beaucoup d'oiseaux ici, hein? Si je cogne deux fois comme ça... Est-ce que tu peux cogner deux fois? Comme ça, on va savoir que c'est pas un oiseau. Vas-y, t'es capable. Deux fois. Donc, c'était quand même bien fait, là, comme j'ai dit, on a eu du plaisir, mais c'est un mélange, un petit peu d'humour dedans avec... On en a quand même fait plusieurs avec, avec cette gang-là. Vous avez vu, ça date de 2013 ou 2014, cet épisode-là. Et vous avez vu dans quel état c'était, là. Donc, aller de là à aujourd'hui, avant la démolition, c'était bien pire que ça. Quand que moi, je suis allé cet été, là, ça avait pris un méchant coup de vieux, puis il y avait beaucoup d'eau au niveau du sol. Oubliez ça, le sol, là, la moitié, c'était inondé, puis c'était dégueulasse. Beaucoup de planches avec des clous, puis... Si jamais vous avez des questions pendant le live, là, n'hésitez pas. Comme j'ai dit hier, moi, c'est si vous voulez être en contact avec le propriétaire, juste m'écrire en privé sur TikTok. Je vais vous donner son numéro de téléphone, son nom. Puis, si jamais c'est possible, après que les débris aient été ramassés, là, je pense que vous allez pouvoir aller faire un tour. Dans la vidéo, j'avais mis quelques séquences de côté, mais on les a vues dans la vidéo, là. Moi, quand j'allais là, quand j'ai su qu'il y avait des enfants là, j'emmenais toujours des petits bonhommes sur une tablette. Donc, on s'installait. On était dans le noir total. Et je faisais jouer des petits bonhommes de l'époque. C'était des Mickey Mouse ou qu'est-ce qui avait rapport avec Walt Disney. Et on avait beaucoup de réactions. On mettait des codeurs autour des détecteurs de champs électromagnétiques. On avait beaucoup de réactions. Au bout d'un certain temps, on arrête, puis ça, vous l'avez vu dans ce que je viens de vous montrer, là. Isabelle demande est-ce que vous voulez qu'on les remette. Ça s'est pas fait attendre qu'on entende la voix d'un petit gars qui dit oui. Juste m'écrire en privé, Karel, sur TikTok. Ça va me faire plaisir. Et par la suite, prochaine séquence vidéo, c'est un petit documentaire, je vais vous montrer, là. C'était avec l'agence QMI. Ce soir-là, et ça date de quelques années, là. Ce soir-là, il y avait un gars, un journaliste de Radio-Canada. On était sa coche ce soir-là, là. On était des vedettes. Puis il y avait un journaliste de l'agence QMI. Si vous ne savez pas c'est quoi l'agence QMI, c'est québécois. Puis c'est eux qui font des gros reportages professionnels, là. Et ça avait bouché, ça en avait bouché une coupe, ça, quand il avait su qu'on passait à l'agence QMI, là. Donc, on avait ces deux journalistes-là, et à un certain moment donné, il y en a un des deux qui pose une question, si quelqu'un nous entend, est-ce que vous êtes capable de dire votre nom? Et là, on entend faiblement, mais on l'a tous entendu, le nom de James. Et moi, c'est la première fois que je l'entendais, sur toutes les enquêtes que je suis allé faire là-bas, là, on ne l'avait jamais entendu. Et le lendemain, moi, j'ai décidé d'y retourner avec deux invités qui voulaient venir avec nous là-bas, les deux filles qui ont failli faire une crise cardiaque, là. Et j'ai dit, moi j'ai une question, James, t'es-tu là? Tout de suite, ça a répondu oui. Donc, t'es pas mal fier de ces PVE-là. Dans la même nuit, on avait capté 4-5 solides, là. Puis oui, on a un protocole, on a des façons de faire, on analyse comme il faut, on va pas prendre n'importe quoi pour du paranormal. À la base, on est là pour démystifier. Les deux filles qui étaient là, ils ont eu peur. Quand les détecteurs de champs électromagnétiques sonores se sont déclenchés, là, ils ont eu peur, on l'a vu dans la vidéo. Là. Donc, je vais vous montrer le petit documentaire de l'agence QMI.
Si je trouve... Allez, là. C'est une des nuits les plus froides de février. Nous sommes deux journalistes en train de suivre quatre personnes qu'on vient tout juste de rencontrer dans un rang éloigné et mal éclairé. Notre destination, l'asile abandonné de Sainte-Clotilde de Horton. Moi, c'est Patrick Sabourin. Je suis tatoueur le jour. Je suis membre fondateur d'Appât Paranormal, chasseur de fantômes la nuit. Patrick et son équipe utilisent l'endroit pour entraîner les nouveaux enquêteurs. L'asile désaffecté est supposément hanté. 12 personnes y ont perdu la vie dans 2 incendies. 9 des victimes étaient des patients de l'asile, possiblement attachés à leur lit, incapables de fuir les flammes. On a mis sur pied Appât en 2006. De 2006 à 2007, on a acheté l'équipement. On a appris à les utiliser parce que tu peux pas faire, tu peux pas travailler avec des équipements que tu connais pas. Fait qu'en 2007, on a dit « Bon, on est prêt, on prend ce qu'on a, puis on s'ajustera avec le temps. » On essaye les appareils, puis avec le temps, mais on réalise que... Que là, il y a de l'activité. Regarde, là, on est en train de parler, là. Il se passe quelque chose. Les téléphones sont fermés, tout le monde. Oui. OK. L'équipe d'Appât fait preuve de rigueur pendant ses enquêtes en éliminant systématiquement les solutions les plus logiques. Je m'appelle Marie-Josée Lemoureux, je suis intervenante en santé mentale le jour et chasseur de fantômes avec Appât Paranormal. Peu importe, à chaque fois qu'on vit une situation... Je suis tout le temps en train d'argumenter puis de trouver une raison rationnelle à ce qu'on retrouve. Puis on va faire beaucoup de tests aussi. On va revenir sur les lieux, on va se demander pourquoi... Moi, je m'appelle Isabelle. Je suis cofondatrice de l'équipe Appât Paranormal. Dans le jour, je suis paysagiste. Et puis la nuit, je me transforme en enquêteuse pour chasser des preuves. On va peut-être même retourner puis essayer de reproduire la photo, voir si ce serait possible que ça serait un flash de voiture qui passe ou... Peu importe ce que ça pourrait être, mais avant de crier au paranormal, on va essayer de découvrir qu'est-ce que ça pourrait être avant. Mais pour prouver hors de tout doute la présence de phénomènes paranormaux, ça prend les bons outils. Moi, c'est Éric Chicoine. Je suis analyste informatique depuis 17 ans, puis dans le jour, puis le soir, je suis enquêteur pour Appât Paranormal. Éric opère, raffine et invente des outils qui captent les ondes AM et détectent les variances d'électricité statique, de champs électromagnétiques ou de pression barométrique. On s'entend que la pression atmosphérique, ça varie pas rapidement. Ça varie tranquillement au courant d'une journée. Mais là, quand il y a une hausse ou une descente rapide, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Pendant que l'équipe s'installait, nous avons reçu la visite du propriétaire. L'endroit est privé, il est interdit d'y entrer sans permission. Le détecteur de variance statique d'Éric s'est alors déclenché. Avez-vous un cellulaire sur vous? Non. Oui, moi j'en ai un, par exemple. C'est peut-être moi. C'est votre oncle qui vous appelle. Oui, c'est ça. Je veux savoir vous êtes où. Je vais aller la voir pour la rassurer. Parfait, bonne soirée. Merci. Bonne journée, monsieur. Bonne nuit. Fait que ça a déclenché, mais vu qu'il y avait un cellulaire en poche. Ça se peut que ce soit le cellulaire, parce que ça, c'est plus typique d'un cellulaire. Non. Là, ce que je vais faire, c'est que j'allume la ghost box, on attend un petit peu et que l'énergie retombe. Puis là, on va y aller avec une série de questions. On est presque prêt à commencer quand, pour la deuxième fois, un détecteur de mouvement se déclenche sans raison apparente. Là, ce que je vais faire, c'est que j'allume la ghost box, on attend un petit peu et que l'énergie retombe. Puis là, on va y aller avec une série de questions. On est presque prêt à commencer quand, pour la deuxième fois, un détecteur de mouvement se déclenche sans raison apparente. Non, c'est pas assez gros, une souris. C'est deux fois là que ça part. Ouais. Fait qu'on pourrait se concentrer de l'autre côté? Ouais, ça, ça pourrait... On va lui dire qu'il vient pas parler. Il n'y a pas nécessairement de place ouverte. C'est pas un courant d'air. On n'était pas dans la pièce. Il y a quelque chose qui a bougé, puis pour faire déclencher le détecteur de mouvement, ça prend quelque chose d'assez gros. Fait que c'est soit une entité ou soit quelque chose qui est passé, peut-être une chauve-souris, mais ça serait étonnant, il n'y a pas d'endroit où ce qui peut... Ça hiberne l'hiver, les chauves-souris. Oui, en plus. Fait que il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas quoi. Deux fois. On est finalement prête à essayer de parler aux esprits en utilisant la Ghost Box. La machine, elle scanne d'un bout à l'autre, puis elle recommence toute la fréquence du AM. Si jamais ça parle, des fois, là, au début, c'est difficile, là, puis c'est hallucinant à longue un peu, mais vous allez voir, on va poser des questions, on peut entendre des noms, on peut entendre des mots, mais ça va être des mots ou des noms complets. Okay. On va attendre un peu. Pour ça, on va y aller avec une série de questions. Au début, rien.
En passant, moi, je m'appelle Patrick. J'aimerais ça avoir votre nom. Étiez-vous quelqu'un de croyant? Oui. Oui. Vous l'avez compris? Oui. C'était quoi le nom de... James. Non, mais je dis ceux qui étaient décédés déjà, là... Tu sais, j'ai oublié la liste. James? Je me rappelle pas. Combien de personnes en ce moment dans la pièce? Je vais essayer quelque chose. Ouais. Hey. Eight. On est six vivants. Ouais, c'est ça. On va lui demander. Peut-être qu'il y a deux esprits ici. Est-ce qu'on vous dérange? On n'est pas ici pour faire du vandalisme. On est là juste pour parler. Out. Would you like to speak English? Yes. Tu sais, vous réalisez, il y a des réponses directes. Il n'y a aucune interférence, on n'entend pas de radio ou quoi que ce soit. Là. Il y a des réponses, mais elles sont juste vraiment pas claires. Après notre discussion avec James, on a continué notre enquête de l'édifice abandonné. Après notre discussion avec James, on a continué notre enquête de l'édifice abandonné. Non, on n'a pas trouvé la preuve ultime d'existence d'entité de l'au-delà ce soir-là. Ce qui n'est pas si surprenant, puisque sur environ 160 enquêtes, l'équipe considère avoir obtenu entre 50 et 60 preuves solides. C'est juste qu'actuellement, moi, je crois qu'on n'a pas les bons outils. Donc, c'est pour ça que je suis avec APA, puis qu'on essaie de développer des outils pour essayer de capter mieux leur énergie, puis essayer de prouver qu'il y a quelque chose d'autre quand il y a des entités avec nous. C'est quoi? Je ne sais pas. Et si vous pensez que des phénomènes paranormaux se passent chez vous, vous pouvez les contacter. Notre passion, on fait ça gratuitement. Oui. On fait ça pour aider les gens. Tout ce qu'on fait, c'est bénévole. S'il y a des gens qui sont dans le besoin, s'il y a des gens qui ont peur, qui font appel à nous, on ne chargera rien, on s'en va les aider, puis on monte une enquête, puis on va aider la personne. Tu sais, quand tu essaies d'expliquer ce que tu as vécu, puis il n'y a personne qui te croit, ça aussi, c'est flippant, là. Gris, t'es pogné tout seul là-dedans, il n'y a personne qui veut te croire. Ils vont te faire passer des tests, ils te prennent pour un fou, mais oui. Regarde, nous autres, on a structuré nos choses justement pour être capable vraiment d'aller aider le monde le plus qu'on peut, là. Parce que parfois, les demandes proviennent de gens où est-ce qu'ils ont déjà une vulnérabilité ou une maladie mentale. Fait que le fait qu'on va aller enquêter, on risque d'alimenter quelque chose. Fait que c'est pour ça que je fais le triage au départ. Je vais m'assurer que la personne n'est pas en état de psychose. Après une longue soirée à chasser les fantômes, la vie redevient plus normale et on fait comme après une bonne partie de pêche. On va aller prendre notre petit café au Tim. On finit toujours l'enquête comme ça. Toujours les enquêtes. Tout le temps, ouais. C'était Philippe-Olivier Contant, enquêteur d'un soir avec l'équipe de APA Paranormal pour l'agence QMI à Sainte-Clotilde de Horton. Des bons souvenirs, ça. On avait eu du fun. Ça avait été très cool. Les deux journalistes, là, puis ils avaient été surpris parce que même nous, on obtenait des réponses à chaque question qu'ils posaient. C'était pas toujours clair, mais on entendait. Puis ce soir-là, il y avait zéro interférence. Ça arrive des fois que tu vas capter, puis ça, c'est à force de travailler avec la Ghostbox, là. Tu sais quand c'est un nom de radio qui passe. Mais là, il n'y en avait pas qui passait. Surprenant parce que ça arrivait à Sainte-Clotilde, normalement. Et à chaque fois qu'il posait une question, il y avait une réponse. C'était comme au-dessus du bruit blanc. Donc, les deux étaient épatés, là. Je voulais vous montrer. Ça, c'est l'année que Sainte-Clotilde a ouvert ses portes. J'ai malheureusement pas la date. Dans le prochain live, là, je vais être mieux préparé, là, mais ça ressemblait à ça. Le pignon dessus, là, ça fait... Moi, depuis que je connais Saint-Claude, ça, c'était plus là. Fait que, dans le fond, ils l'ont peut-être juste enlevé avant que ça soit dangereux, là, après 88, là. Puis ceux qui n'étaient pas là tantôt, je vais juste vous remontrer une vidéo d'archives, les nouvelles de 1988 sur l'incendie.
Décidément, le mauvais sort s'acharne sur le village de Sainte-Clotilde, près de Victoriaville. Ce matin, pendant qu'on y célébrait les funérailles des victimes de l'incendie survenu dimanche dernier au centre Norval, les pompiers étaient de nouveau appelés sur les lieux du sinistre. Gilles Payette explique. On ne s'attendait vraiment pas à ça, un deuxième incendie au centre d'accueil Norval. Déjà qu'en fin de semaine dernière, le feu faisait 9 victimes à cet endroit. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'entretoit qui brûlait. Heureusement, aucun bénéficiaire ne se trouvait sur les lieux. On les avait tous logés ailleurs à la suite d'un incendie de dimanche dernier. Une vingtaine de pompiers ont travaillé durant plusieurs heures avant de maîtriser les flammes. Et l'on s'interrogeait sur l'origine de ce sinistre. On s'imagine que c'est probablement un trouble électrique. On ne peut pas voir autre chose. De toute façon, il y avait des gardiens tout le tour de la maison. Fait que on ne peut pas voir autre chose que ça peut être un trouble électrique. Un coup difficile à prendre compte tenu des funérailles qui se déroulaient à quelques pas de là. C'est pas tellement intéressant. On aurait pu se passer de ça. Je vous jure que l'autre cérémonie était déjà terrible pour nous autres. Celle-là, en plus, là, c'est rien pour... C'est pas ça qui va nous remonter le moral. C'est que le hasard a voulu que ce matin, tout le village se soit rendu à l'église rendre un dernier hommage à 5 des 9 victimes de l'incendie de la semaine dernière. Il y avait, entre autres, parmi la foule, la ministre Thérèse Lavoirou, de même que des fonctionnaires de son ministère. Et toutes les conversations portaient sur ce qui se passait encore une fois au centre d'accueil. Fait partie des archives. Pour la deuxième partie, ça va être pas mal ça. La troisième, je vais m'organiser pour la faire plus tard en soirée pour avoir le maximum de personnes. Parce que cette heure-là, normalement, même moi, tout le monde travaille. Donc, merci d'avoir été là, ceux qui ont été là. Merci pour vos questions, votre intérêt. Merci de liker notre TikTok. Merci de visionner, de partager, de liker ce qu'on fait. C'est ce qui nous encourage, vu qu'on ne fait pas d'argent avec ça. Ça donne quand même une bonne visibilité. Je sais qu'il y avait du monde tantôt qui m'ont dit qu'ils étaient pour m'écrire en privé. Je vais vous lire dans la journée. Ne vous inquiétez pas. Là-dessus, passez une bonne journée. Il y a une troisième partie qui va être faite sous peu. Je vais m'organiser parce que quand on fait un direct, il n'est pas sauvegardé sur le TikTok. Puis on peut prendre juste 10 minutes. Du direct pour le mettre sur TikTok. Donc, je vais m'organiser pour mettre le meilleur bout. Puis sinon, ben, les deux directs vont être mis sur YouTube. Cette semaine, peut-être aujourd'hui si j'ai le temps. Là. Alors, puis en passant, si jamais vous avez des idées de lieux que vous êtes capable de nous mettre en contact avec les propriétaires, là, on est ouvert, on cherche des nouvelles places, que ce soit au privé, des lieux historiques, des lieux abandonnés, mais toujours avec des permissions. Ça pourrait vous donner la chance de participer avec nous pour venir faire l'enquête. Donc, merci tout le monde. Passez une bonne fin de journée, puis on se retrouve bientôt. Salut là.